bienvenue sur la boîte noire du musicien. Je veux aujourd'hui vous présenter une nouveauté de chez Korg. Encore une. Il s'appelle OP6. Tiens, OP6, OP, opérateur, 6, 6 opérateurs. Alors vous allez me dire, ça me dit quelque chose. Oui, oui, il est FM. Mais pas que. Écoutons-le. Vous avez sur le P6 un générateur FM qui peut être contrôlé par 6 faders ou 6 boutons. 6 boutons, 6 opérateurs. Chaque opérateur peut avoir deux fonctions. Soit la porteuse et la modulation qui va me permettre de retravailler en fin de compte cette porteuse. Pouvoir gérer. Je peux avoir soit 6 porteuses, pourquoi pas, je peux en avoir que 2 et 4 modulations, c'est à vous, en fin de compte, de faire votre choix. En plus de ça, je vais avoir devant moi aussi des niveaux de volume que je vais régler directement avec mes faders. Ça, c'était pour la FM. Bien sûr, Korg a voulu rajouter de la modélisation analogique. On va retrouver le filtre d'un MS-20, d'un Polystix, etc. Ces filtres-là, je vais pouvoir les rajouter sur mes porteuses. Donc, je vais pouvoir mixer FM et modélisation analogique. Et ça, c'est le plus que je peux avoir avec le P6. On va maintenant parler des algorithmes. Les algorithmes sont très intéressants, il y en a 40 à l'intérieur, plus la possibilité d'en créer. Je vais maintenant prendre un exemple pour vous faire écouter ces algorithmes avec une petite séquence qui est dedans. Donc je vais l'enregistrer, c'est un 16 pas, donc un petit séquenceur 16 pas très simple. Voilà, avec ça, on va écouter. C'est une séquence. Maintenant, je vais pouvoir m'amuser à changer sur mes modulations.
là, je suis sur un exemple d'algorithme. Maintenant, je vais changer d'algorithme. Bien sûr, vous allez retrouver un séquenceur, un arpégiateur, mais aussi des effets. Les effets sont très intéressants parce que je peux mixer 3 effets en même temps et j'ai une trentaine d'effets préprogrammés. Bien sûr, on pourrait rester des heures encore avec cet OP6 de chez Korg. C'est un joujou très 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 sympa. Essayez surtout l'OP6. Au revoir.